C'est cool. Ça me fait plaisir de jouer ça à la game d'avant quand même. Je suis agressif. Normalement je devrais pas, mais comme c'est des randoms en face, je me dis que je peux les outplay. Mais normalement la lane n'est pas jouable. Si c'est des bons joueurs, la lane n'est vraiment pas jouable. On va partir du principe que c'est pas des bons joueurs. Est-ce que tu m'aimes parce que je suis beau ou parce que je suis canon? Oh, l'amour est cruel. Eh, je résolve Karma, c'est chiant. Je suis pas respiring. Si on arrive à avoir le push, par contre, on sauve. Genre, si on arrive à avoir le push, c'est vraiment big. Faut que je comprenne le push. Où est-ce qu'on va? T'as encore oublié. Non, je. Bon. Oh, dis, t'as vu ma cape? Le sort aux Z, c'est vraiment pas bien avec Eric Zab. Moi, tout ce que je veux, c'est prendre le push. Alors, pas à ce point-là, quand même. Pas trop vite non plus. Hein. Okay. Ah, il l'a fait trop vite. Prends pas le RQ, prends pas le RQ, prends pas le RQ, tu fais quoi? Vu qu'il a utilisé son Z, on n'a pas pu trade, c'est dommage. S'il avait pas eu son Z pour faire ce qu'il a fait sur la wave, on les aurait rassurés. Fais gaffe au Q. Comment on a le push qu'on le garde. Moi j'ai pris un peu tarif du coup. Votre Guardian pue. Si on arrive à push ça et à back, c'est pas trop mal. J'aime pas trop la manière dont tu utilises ces aides. Du coup, je peux pas mettre de pression. La lane se passe vraiment bien par rapport à ce que ça devrait être. Au mid, c'est bien. Ils ont plus de heal, c'est une bonne nouvelle aussi. Yes. Elle a un RQ ou la Karma qui avait use. Il a plus de CD avec Saxéa, c'est dur là. On a 6 CS d'avance. J'ai plus de mana par contre. Ok. Ok.
Tu utilises pas CD pour la wave? Peut-être un truc. C'est Karma est forte, elle est au mid là. Il faut que tu fasses plus attention. Ok, Karma est pas forte. Non, je ressens back. Je vais soit counter en Kane, soit juste tuer le Urgot. Il est FR. Hein. Je suis un Vastaya. C'est la magie qui m'a engendré. Tel est mon destin. Bon, j'ai rien. On va les bots. C'est plus marrant quand c'est risqué. Waouh, il joue tellement mal. Waouh, c'est... C'est l'eau. Ce trade-là, on doit jamais le perdre. Il a pas besoin de grid, et s'il est grid, bah, faut pas qu'il rate son, flash E, quoi. Mais ça sert à rien de grid. À partir du moment où Karma a flash, qu'on passe bientôt au niveau 6, on allait la tuer au prochain timing, mais bon. Je vais pas tilt. L'Exa est sur le stream. Oui, j'imagine qu'il est stressé et tout, mais... C'est pas mon problème, c'est le sien. J'ai plus rien s'il joue en étant stressé, en étant sur le stream et tout. On met un petit trade au mid, c'est cool, ça va donner de l'espace à Vegar, c'est bien. Partir au bot, la wave est dégueulasse, ça va être dur à jouer. À partir maintenant, ça va devenir difficile, slash en plus de trade bot lane. Merci. Ok, c'est bien, du coup il devrait faire ça le Kha'Zix. On peut rien faire non. C'est quoi ces choses que les humains ont sur les pieds? Je veux des chaussures rouges. Si je reste, je vais me faire encore plus ratio. Mais... Si j'avais réussi à route, j'aurais pu follow. J'aimerais bien qu'il dive avec un peu de chance.
On sort. Pourquoi il passe par là-bas, le Vega? Il y a pas ulti. Big. Je ne me sens jamais aussi à l'aise. J'aurais quand même un peu de faire donc d'habitude. Moi tant qui. Top fait ratio et il insulte son midliner, ça met bien. Je ne veux pas d'un monde sans risque. On va pas se projeter sur une win de suite, c'est pas fait. Même si c'est plutôt bien parti. Tu as vu dans quelle tenue il se baladait? Ouais, après. Il veut le Predator, je t'invite. Le fait que ce donc la passe me met très bien. Parce que c'était l'eau. Il ne faut pas prendre au sérieux ce que je dis. Alors je sais pas mon 6. Tu peux tenter ce tour. Hein. S'il est pas nul, il me dashine, non. Il est nul. Un bon Ezreal m'aurait instant dashine et m'aurait mis midlife. Dans 19 secondes, on gagne 2v2. Le problème, ce sera pas en 2v2, il y aura Kane. Attention, Kane. T'inquiète, moi je suis safe. Laisse moi la push. Ah, y'a Victor au-dessus, je sais pas. Je crois qu'il sous-estime mon charme. Il va pas s'y attendre, le Kane. Il s'y attendait, les Verbeid. Qu'ils envoient tout ce qu'ils ont, je le balayerai en riant. Faudrait qu'on fasse un playbot du coup.
Qu'est-ce épique. J'aime ce sentiment. Interruption. Ouais, le dragon à jouer après. Il a toujours pas poussé l'euro de la faille, le gars, c'est un souci. Je trouve que mes alliés n'apprécient pas suffisamment la splendeur de ma cape. Toujours pas win la gamme. Faut rester focus. On va jouer ça après. Immortel, immortel, j'ai décroché un coup. Le rundown de Jinx. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'on a un problème. Tu crois ou tu sais? Je sais qu'on a un problème. Ok, c'est bien. On va aller enchaîner au mid. Je vais avoir un bon flash, je pourrais faire un bon fight. Raken, c'est vraiment la délivrance, hein, j'ai l'impression. Ah non. Le regard est pas si facile à gérer. Faut pas que j'oublie que je suis pas tanké au passage. Ok. Bientôt en 2-12. Pas de 12 malheureusement. Il est en train de péter un plomb le Urgot. C'est bien, il a prêt à Trollbot, c'est big. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler pour dire la vérité. Je parle pas beaucoup, mais je suis en ultra focus. Pour pas tilt et tout. Allez-y, tête baissée. Aucun regret. Mesdames et messieurs, je suis venu faire le spectacle, principalement pour moi. Mais aussi pour vous. Où ils sont passés? Je vais le tuer. T'es qui? Bon, on a repris la LP perdue de la game d'avant. C'est pas KSX.
Ah, je sais plus vite, moins 18, je crois.